Hello tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouveau stream. Alors, le temps de régler juste un petit truc, on est avec Grumpy Team aujourd'hui. Salut Grumpy. Coucou les gens. On va jouer à un jeu sympa. On va jouer à un jeu que tout le monde stream. Que tout le monde se bute dessus. Alors, faut déjà que j'arrive à changer ce putain de truc. C'est possible dans le tableau de bord, je crois. Que je peux le faire sinon. Pas forcément avec. Ouais, j'ai signé un peu de stream. Tac. Ok. Hop. Déjà ça c'est bon, la source tout ça c'est bon, mais on va pas être en détente, non, je vous le dis. Modifier les infos du stream, c'est là, ok. Alors, est-ce que là ça plante encore? Non, ça ne plante pas, cool. Ça c'est cool. Je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça. Ok. Pourquoi il me remet détente avec le dernier lol. Détente. Oui. Jeu solo, oui. Jeu. Randomisé, développement du jeu, actualité du jeu vidéo. Oh, il y a une catégorie d'actualité du jeu vidéo dans les tags. Jeu de rôle, oui. RPG, est-ce qu'il y a un truc qui s'appelle RPG? Non. Ok. Je sais pas si c'est écrit comme ça. On valide les informations. Informations mises à jour avec succès. Oui. Oui. Et là, attention. Bon, je pense que vous l'avez deviné dès que vous verrez les informations. Poing. Poing, poing, poing. Est-ce que mon module de chat fonctionne? Oula. On va regarder ça, bling bling bling, ouais les lol ça marche. Est-ce que GG ça marche aussi? Oui ça marche aussi, voilà. Parfait! Parfaitement parfait! On va pouvoir jouer sereinement. Ça roule. Ça c'est bon. Ok. Ah non, on va faire niveau.
On va se remettre à fond dedans. On prend notre petit bandit là. Putain, mais. Casse-couille! Putain! Voilà, avec un bel orthographe de Spinaleux. Jeune. Leg. Ah oui. Faut que j'arrive. Ah, mais le pot fissuré, il se remet, hein, c'est ça, celui-là. On verra. Ah oui, sinon, choisir ma modèle de base, c'est quoi? C'est un. Qu'est-ce que c'est que ça? Le visage le plus répandu parmi les sans éclat. Ah, modèle de base. Ah, d'accord. Après tout, il s'agissait jadis de peuple guerrier. Oh, putain, j'avais pas fait gaffe à ça, au secours. Oh la gueule. T'es très courant, ok. Oh la vache. Oui, il est mort. Oh. Connard. Oh. Draconide. Ah ouais, un côté pierre, comme ça. Ah la vache, elle brille à mort, elle. Ah, oh, c'est un morvion. Allez, l'ordi, oh. Là. Ah, la voilà, la vieille. Ah, non, non. Ah, ça, pourquoi pas. Visage stoïque du peuple du dragon ancien, dont l'espérance de vie n'est guère élevée. Ah, super. Ah, c'est parfait pour moi, tiens. Ah, ouais. Apparence détaillée, je touche à... S'il y a juste là, la voix que je mets comme ça, ce que je préfère. Le corps, bah c'est très bien, c'est adapté au personnage. Oh, il joue pas un humain, il est dégueulasse. De toute façon, ça. Corps, visage et cheveux. Voilà, c'est ça, c'est surtout. Ah, wesh, la gueule. Ah, ouais. Ah, elle a souffert. Mais ça va bien avec le. Ouais, moi, c'est ça, là. Tu joues pas un bandit, tu joues une bandit. Oui, une, ouais. Ouais. Il n'y avait pas d'illustration. D'éclat des cheveux. On va faire en sorte qu'ils éclatent. De ouf. Mais c'est pas vrai, hein. Eh, par contre, c'est lent, là. À moins qu'il y ait un bouton que j'ai pas vu pour aller plus vite, mais merde. Ah, modif de 10. Oh, le con! Ok, j'avais pas vu. Voilà. Ah oui, ça brille de mort. Vache. C'est quoi ça? Ombre des racines. Ouais. Cheveux blancs, oui. Ah vache. Oh là 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 là, le drame. Et couleur des cheveux. Qu'est-ce qui provoque votre émoi, monsieur? Un mon boss. Émoi. Mon émoi. Il n'y a pas d'autres couleurs. Pas genre bleu, etc. Ajuster couleur. Ah! Ah, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Ça, et puis... Merde. Mais non, mais barre-toi, toi! Part dans le bleu. Voilà. Allez. Allez. Allez, tu peux le faire. Vert, ça fait aller où ça après? Non. Oh. Attendez, on commence à voir quelque chose. Ce que je voudrais, c'est la lumière. Nuance. Ah, oh, putain, c'était là. Ok. Quelque chose un peu plus... Ouais. Voilà. Mais oui, mais bien sûr. Bah oui, on est d'accord. Non. Ça, voilà. J'ai peur que ça ait oublié. Et visage similaire, un mais peu. Mais putain. Mais c'est pas vrai.
disais quoi sur les gens qui râlent? Ah mais râler, râler. Ah ça y est. Ah bah oui, il y a râler, râler. On est d'accord. Les yeux. Les yeux, les yeux, les yeux. Je fais de la merde, je fais de la merde. Merde, ah merde. On va faire en sorte. Ouf, on les voit pas. Couleur, iris, couleur, opacité. Ah oui, ouais, voilà. Je voudrais quelque chose. Ouais, voilà, qui ressorte. Ah oh, putain. Bah, je veux une erreur, je vais. Lélia, tu veux grimper? Tu veux mettre un handicap en plus? Allez, viens. C'est quoi ces cheveux là? On voit rien. Allez, viens. Allez. Attends. C'est quoi, doucement. C'est quoi ces cheveux? Mais c'est mon perso. Alors. On voit rien. Et alors? De toute façon, tu as un sera de dos. C'est dégueulasse. Alors, copie, 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 copie. Ah oui, d'accord, c'est ça qui fait que tu peux avoir des yeux différents. Ok. Bah, je sais pas, après, bon, dans les shows, est-ce qu'on a. Ouais, je suis comme ça. Oh là là, au secours. Ouais, ça aussi, ça, c'est vrai que j'aime bien. Avec la tenue, ça pourrait aller bien. Bon, la frange, non. C'est classique, mais bon, ça fonctionne. Hein. Un ou ça, peut-être. Je sais pas. Un bandit avec des cheveux, je sais pas, c'est pas. Ouais, un peu plus bordélique les cheveux, c'est bien ça. Allez, comme ça. Des visages, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est bien qu'ils aient fait genre tu fais des réglages, après tu peux. Avec genre telle génération de visage chimère, c'est pas mal, ça permet de raffiner ou de remodéliser quelque chose d'un peu plus. Entre guillemets, un peu plus correct. Non, bah non, les yeux sont n'importe comment. Ok. Les yeux sont. Désolé, hein, c'est le temps de le faire, les gars. Taille d'iris, opacité, position de l'œil. Il n'y a pas le. Merde, c'est où l'orientation? Ossature. Il y a Eleanor. Ah, c'est là. Inclinaison. Viens, ramasse, tu ranges. Ah, oui, d'accord. Ils sont vachement écartés, je trouve. Non, mais on peut faire tellement des trucs horribles. Ouais, je te vois. Il y a la clignotant. Ouais, non, c'est pas. Ok, ok, ok. 5, 5.
Et finalement... changer la rotation R. Voilà, c'est ça. Changer affichage. Et si je veux pas que ce soit une copie, là, je sais comment. Ah oui, faut juste... ok. Couleur gris au shine. Ah, tu peux faire que... Ah, tu... Okay. Tu peux désaxer. Oh, je sais pas ce que tu fais, mais... Mais laisse-moi donc. J'ai un œil qui est mort. Au combat. Ok, hop. Vas-y, sauvegarde. Sauvegarde au cas où. Ça, c'est bien. Ok, terminé. Voilà, oui. Let's go. Alors, on va se concentrer un peu sur ça. The Fallen. Cercle a volé en éclat. C'est écrit. Ah, mais. Chine tournée à la brume de l'entre-terre. À présent, la reine Marika, l'éternelle, est introuvable. Et lors de la nuit des couteaux noirs, Godwin le Doré fut la première victime. Rapidement, les descendants de Marika, tous des demi-dieux, revendiquèrent les éclats du cercle d'Elden. Voilà, scénario compliqué. La folie provoquée par leur puissance, fraîchement acquise, déclencha l'éclatement. J'adore les illustrations, elles sont toutes... Putain, elles sont trop belles. Elles sont trop classe. C'est mille fois mieux qu'une cinématique. Une guerre qui ne vit nul seigneur émergé. Une guerre qui sonna le renoncement de la volonté suprême. By the greater will. Oh, levez-vous sans éclat. You're tarnished. You're dead. Vous avez péri et pourtant vous vivez. The call of long lost. L'appel de la grâce perdue depuis longtemps nous parle à tous. Y a pas une voix qui le fait à ta place? En anglais. Ah, c'est bon. Oharalu, le chef des terres stériles. Le masque d'or à la lueur aveuglante. Fia, la compagne mortuaire. Fermez ta gueule, toi.
carton. L'abject coprophage. Et Sir Gideon Ofnir, l'omniscient. Vous avez qu'à jouer au jeu si vous voulez la VO. Aïe aïe. Il m'a mute. Et une dernière être que la grâce bénira à nouveau. Bon, la main est un peu dégueu sur nos doigts, mais bon. Une sans éclat, sans renom. Et c'est vrai que j'ai un personnage féminin. Traverser les brumes en direction de l'entre-terre. Vous tenir devant le cercle d'Elden. Et devenez la dame d'Elden. Hein? Ça, c'est un speech. Alors. Bon, sinon, toi, ça va? Oui, hein, ben... C'est pas tout qui m'emmerdait. Ah, bah ouais, c'est vrai, quand même. Pour non, ça qu'il est toujours des mobs qui viennent... Mais non, mais t'as des mobs qui viennent s'inviter à la fête alors que tu les as pas invités. D'ailleurs, à un moment donné, cassez-vous. Ah oui, c'est vrai. Je vais me faire taper. Tu sais que ce mob, je l'ai rencontré de nouveau. Ah oh bah. Et j'arrive pas. Je sais pas comment le taper. J'y arrive pas. Ah ouais, ouais. J'ai réussi un petit peu, mais bon, c'est la panique. Je pense que c'est un boss qui se part. Ah. Ouais. Mais moi, en tout cas, j'y arrive. Ouais. Bah, j'ai paré, j'ai perdu ma vie. Bonjour. Ah, t'as pas le temps de comprendre, hein. Ça va vite, hein. Mais j'ai paré, hein, ça m'a niqué toute ma stamina, parce que j'ai pas fait au bon moment, ou alors c'était pas... il fallait pas. Fallait rouler. Don't worry, Torren. Fortune is on her side. We found her here after all. Ce personnage est important. One of her kind is sure to seek the Elden Ring. Un de ses semblables est voué à la quête du cercle d'Elden. Even if it does violate the même Golden si Order. Interdit de l'ordre. D'accord. Ah, là nous fiole. Ok.
moi dès le début. Merci. Et dégueulasse. Hein. Ah, brave sans éclat, sautez le pas. Émergez-vous dans la connaissance et le souvenir. Imprégnez-vous des arts de la guerre et de votre sang de guerrière. Un fantôme nous parle. Ah, il y a une marche là. Je l'ai pas vu. Moi, je vais sauter directement comme ça. Hop. Bon, là, on fait le tuto, les gens. Hein. Bon, les sites de grâce. On sait ce que c'est qu'il y a des flammes jusque-là. Tout va bien. Ensuite. Bon, je sais pas ce que tu veux. Ok. Ah, mais il me cause pas. Ah si, la garde. Utilisez la garde main gauche ou à deux mains pour bloquer les attaques ennemies. La garde est particulièrement efficace lorsqu'elle est effectuée à l'aide d'un bouclier, en logique. Chaque attaque bloquée draine l'endu. Si vous êtes à court d'endu, votre posture sera brisée. D'accord. Mais j'ai vu que je perdais de la vie, je crois. Viens, on tape. Ouais, c'est ça, je perds un peu de vie. Et sur les boss, on perd de la vie. Donc, parade... moyen plus, quoi. Esquive. Voilà, bon, tu fais une roulade, ça, jusque-là. Ça va. Hop. Jusque là, on est d'accord. Les petits sauts. Là. Merde, le sprint il est là. Ok. Les matériaux, parce qu'effectivement il y aura de l'artisanat. Bon, par contre, faut que je prenne l'habitude de lire ce que c'est et pas d'effacer le. Maintien des armes, c'est là. Vous pouvez donc assigner jusqu'à 3 armes à chaque main. Empoigner à deux mains pour augmenter votre force effective de 50% et rendre ses attaques plus difficiles à bloquer avec un bouclier. Donc changer l'arme, changer l'arme. Ah, c'est ça, c'est triangle L1, R1, quoi. Et c'est pas genre triangle. Moi j'aurais fait genre triangle et gauche-droite pour dire, enfin bref. C'est là je dis là j'utilise ça, ok. Et après, qu'est-ce que je fais? C'est ça quoi, en fait j'ai du mal à. C'est. Attends. Ah ouais. C'est au moment où il tape hein. Ah non, c'est ça, ok. Ah putain mais... Oui bon ça c'est pas grave. Mais change. Ah non ça va être chiant en fait. Parce qu'il y a moyen que je... Merde. Ah puis je comprends. Mais reprends. Il va mourir avant que j'ai eu le temps de prendre un truc. Parce que quand il est stun, je peux faire un critique en repassant à une main, mais... C'est nul. Ouais, donc là, il le fait rapidement. Et... Ah la vache, ah oui d'accord, quand je fais mon... C'est parce que mon coup, il est... C'est le coup qui fait ça, en fait. Ouais, je comprends mieux maintenant. Là, je peux pas. Toi, tant que l'animation est pas terminée, je peux pas changer. C'est-à-dire qu'il faudrait pratiquement que je fasse 3. Ah non, 4. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis. Non? Oh là là. Ah, c'est nul. Enfin, j'ai pas de. Ça c'est la parade. Bon là je crois que c'était l'attaque par derrière. Je sais plus.
moi je peux. Alors, je... voilà. C'est soit je vise avec le. R1 et. Voilà. Et je peux choisir entre deux types de. Ok. Compétences. Les armes disposent de capacités spéciales nommées compétences. Il existe toute une variété allant de simples attaques puissantes à des effets temporaires. Utiliser des compétences consomme des PC. Compétences L2. Mais ça, c'est si tu mets une arme sur L2. On est d'accord? Non, en fait, tes armes ou tes boucliers ont des compétences. C'est les cendres de guerre, en fait. Et si t'as une arme LSA, pour utiliser, faut appuyer L2. Eh, parce que moi, il y a L2... marqué au-dessus de ta croix, il y a marqué, en fait, au-dessus de ta croix, ce que c'est. Parade à l'arme machin, là. Mais, parce que moi, L2, c'est la parade. C'est ça que je comprends pas. Ah, parce que ton bouclard a la parade. Ah! Je viens de comprendre. Oh! Ok. Mais si t'as pas la parade ou ton épée a une autre capacité, moi j'ai une capacité, tu vois. Je comprends, ok, essayez. Parce que tous les boucliers ne partent pas. Hein. Oui, d'accord, oui, mais je comprends maintenant. Ah oui, d'accord, ok. Oui, parce que t'as des boucliers, genre, il y en a un, je sais plus, peut-être qu'il absorbe de la magie ou des conneries comme ça, toi. Ok, d'accord. Ça veut dire que là, si dans l'inventaire... Ça va encore, c'est... Si je mets, par exemple, la dague... Et alors eh ben la dague c'est un coup de pied. D'accord. Et pour taper c'est là. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Je comprends mieux le délire de compétences. Et c'est ça que je comprenais pas l'autre fois, pourquoi je pouvais pas changer ou je ne sais quoi. Et... Ouais, mais c'est automatiquement en main gauche. Ok. Et... Ah, briser la posture. Certaines attaques peuvent briser la posture d'un ennemi, ce qui vous permet d'asséner un coup critique. Les attaques chargées et sautées sont particulièrement efficaces pour briser la posture d'un ennemi. Donc chargé, tu restes appuyé, ou alors en sautant, d'accord. Jusque là, tout va bien. Effectivement, on a entendu le boom. Ok, ok, ok. Lorsque vous mourrez, vous pouvez revenir. Toutefois, si vous mourrez près d'une effigie, vous pouvez choisir d'y ressusciter. Ok. Ça roule. Allez, est-ce qu'on arrivera à le faire en 1 en... Contre-attaque. Vous pouvez exécuter une contre-attaque immédiatement après avoir bloqué une attaque ennemie. Contre-attaquer un ennemi permet de briser plus facilement sa posture. R2 immédiatement après avoir bloqué une attaque. Bah, bloquer, c'est juste le... C'est juste le bouclier devant, quoi. Je sais pas. Ah, puis c'était R2. Là, j'ai perdu de la vie, parce que j'ai voulu bloquer leur merde. Ah, putain, les timings. Ah non. Eh ben, ça sera pas la première. Parce que, voilà. Je suis dégoûté. Ouais. Je suis dégoûté. Ton perso, il est aussi fait pour critique derrière, hein. Non, mais c'est clairement ça. Oui, bon, lorsque vous mourrez, vous êtes une merde. Pardon, vous êtes une chips. On y retourne. Ah, le con! Oui, non, mais c'est derrière, et puis le... De toute façon, oui, c'est les deux, hein. Voilà, mais moi, c'est ça que je cherche, quoi. Critique est passé. Et voilà. Mais je suis dégoûté. Mais non, le parer comme ça, j'ai pas. Enfin, c'est pas pour moi. Maintenant, le bouclier que j'ai, il sert pas du tout à ça pour le moment. Il trouve. Je pense que c'est lié à ce que à ce qu'il est. T'as pris quoi comme objet de départ? Le pot là. Ah oui, d'ailleurs, c'est ça. Faut que je. Comment ça, je m'en sers ça du pot?
C'est pour te... C'est pas pour farmer des trucs? Non, ça a pas l'air d'être ça. C'est comment ça sert du pot? Ça c'est les carreaux, c'est... Il est là. Contenant servant à fabriquer des pots à lancer. Ouais, c'est ça, mais pour moi, faut que je l'utilise, en fait. Ouais, faut que tu puisses le fabriquer. Pots fissurés, contenant servant à fabriquer des pots. Ah! Mais pourquoi j'en ai trois? Bah ouais, mais moi, quand j'essaie de fabriquer des grenades où il y a des pots, ça les consomme pas, c'est ça que je comprends pas. Ah oui, parce que moi, en fait, dans la descriptif, il te dit que... Enfin, quand j'ai pris cet atout-là, moi, c'est que le truc se reconstruit tout seul. Toi, il casse pas, en fait. Ah oui, les grenades, je peux en faire que 3 parce que j'ai que 3 pots fissurés. D'accord, je peux pas en faire plus. Ok. En gros, c'est... Ouais, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Ouais. Allez, on va chercher notre emote. Voilà, encouragé. Toujours faire une attaque en sautant. Donc là, il y a ce fameux objet qu'on sait pas comment y aller. Pour le moment. Affiche interface. Ça roule. Okay. À l'aventure, les gens. Eleanor, tu donnes à manger à Martin? Comment ça, non? Mais attends, sérieusement. Et comme je joue à Dark Souls, moi j'ai un handicap plus, hein. Voilà. Voilà comme je joue, comment je joue. Voilà. C'est cadeau. Sinon, c'est pas drôle. Parce que quand tu joues à Dark Souls, t'as ton chat sur les mains. Le fameux coffre, si vous avez déjà atteint la limite d'objets transportables, elle sera automatiquement envoyée. Ok, ça c'est du Bloodborne Sekiro, c'est tout ce que vous voulez. Ça, l'effigie de pierre, il fallait prendre l'atout pour ça. Le lapin. Sérieusement? Oui, c'est un atout de la clé là. Que t'as... Ah non, je parle pas à toi. Ah pardon. C'est pas... Utiliser un doigt crochu pour inscrire une marque d'invocation dorée, mais bon, ça c'est si tu... Peut-être plus tard, si on farm, on pourra s'amuser à se rejoindre, on verra. Ça ok, bon ça sert à rien de péter tous les bordels. Je sais, c'est parce que j'avais déjà démarré un personnage. C'est juste qu'il y avait des trucs que j'avais pas compris. Voilà, c'est tout. Et maintenant... Vous êtes prêts? Oui, t'es tout seul, alors ta gueule, vas-y. Ok, on y va. Ah, bref. Je me remets à l'écran. Allez! Bienvenue dans les nécrolimbes. Oh là là. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Je sens que la lumière, c'est bien maintenant, mais on la verra plus beaucoup à un moment donné. Alors, la grâce guide, les sans éclats, sur la bonne voie.
Pour nos jours encore, certains sites de grâce conservent le pouvoir. Leurs raies dorées baliseront votre chemin. Jusque là, ça va. Donc là, il faut aller par là-bas, vers l'église. Okay. Servez-vous de la carte pour consulter votre position actuelle et connaître les structures et le terrain environnant. Trouver des fragments de cartes et des stèles le long de votre route fera apparaître de nouvelles informations sur votre carte. Vous pouvez également y placer vos propres balises. Ok. Et donc ça, c'est quoi? C'est juste appuyer. Menu carte, à l'aide d'un, vous pouvez placer. Vous pouvez également vous rendre instantanément auprès des sites. Ah bon, ok, j'avais pas vu qu'on pouvait se TP directement à partir de là. Donc ouais, c'est vraiment... Ah oui, tu peux choisir un site de grâce et de TP, peu importe lequel. Ok, d'accord. Ah oui, puis ça me dit où va le flux, là. D'accord, ok. On a la boussole pour journée, elle est classe, ok. Placer une valise, fermer, repère, liste des sites. Ah oui, parce que ouais, d'accord, c'est plus facile, ok. Ça marche. Ouais, donc c'est vraiment complet, là. Oh yes! Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring, Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, sans personne without the strength sans pouvoir des runes et sans invitation au bastion de la table ronde, to the round table hold, you are fated. Il semblerait que vous soyez destiné à périr dans l'anonymat. Donc ils le disent, là, il faut les éclats et en plus il nous faut une permission, enfin il nous faut un... Il faut pouvoir accéder à la table ronde. Ok. Luckily for you, however, heureusement pour vous, une lueur d'espoir subsiste, même pour ceux qui vont sans servante. Ok. Et cette lueur, c'est moi. Varé, écoutez-moi. Connaissez-vous la grâce, cette lumière dorée qui insuffle la vie sans éclat? Discernez-vous parfois des raies d'or en vous indiquant une direction? C'est ainsi que la grâce vous guide sur la voie des sans éclat. Oui, c'est cela. La grâce vous révélera tout l'être qui répondra. Vous accompagnera sur le chemin qui est le vôtre. Même si cela doit vous conduire à votre tombe. Ok. Grace's guidance will reveal the path jusqu'au château de Voilorage, là-bas sur la falaise. Là. D'accord, donc là-bas, c'est là-bas. Donc, notre destination, c'est ce château-là. C'est pas l'arbre. Là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas. Ouais, non, bah oui. Je crois qu'il est temps pour vous de vous remettre en route. Suivez la grâce jusqu'au château de Voilorage sur la falaise. Et en particulier, si vous demeurez déterminé à chercher le cercle d'Elden, même sans servante. Ok. Merci, mec. Ok. Bon, il y a un monsieur à cheval. On va l'esquiver pour l'instant. Des animaux. Désolé, les gars, mais je me dois de vous désosser. Parce que mon personnage utilise des objets et il va falloir qu'il se fabrique des flèches et surtout sûrement des bombes. C'est ça que je voudrais tester, c'est quelque chose que j'avais pas fait, que je n'avais point fait. Parfait moment en même temps que ta gamine arrive. Éternuer, j'ai tué le mouton. L'église délai. Ah oui, lol. Pardon. Ouais, quand je lui ai dit va à l'église délai, il fait pourquoi il dit. Alors, grâce à votre carte, vous pouvez installer. Toutefois, il n'est pas possible dans certains donjons. Ce qui est logique. Ça marche. Alors, hein, le premier marchand. Faites partie des sans éclats, je le vois bien. Et je vois aussi, vous voulez pas à ma vie. Parce que pourquoi ne pas m'acheter un peu bien. Purveyor of fine goods. Ok.
Allez du menu boutique, vous pouvez dépenser, vous pouvez également vendre. Chaque marchand propose des trucs différents, sans déconner. Allez donc, contenant servant à fabriquer des points lancés, d'accord. Permet de fabriquer des objets, oui. Et après, il y a des manuels qui permettront d'apprendre des crafts en fait. Si j'ai bien compris. Ah, je suis con, j'ai dépensé sans prendre la torche. Bon, qu'est-ce que j'ai? C'est merde là, 30. Je suis issu d'un peuple de nomades. Depuis que le Savannah a été blessé, le shattering of the Elden Ring is only tarnished like yourself. Who keep things from drying up? Let's say you're a very welcome customer. C'est un client très apprécié. Ok. Goodbye. Nice. Si vous possédez un nécessaire de fabrication, vous pouvez confectionner divers objets grâce aux matériaux que vous ramassez. Ok. Merde! Je croyais que tu étais mort en vie. Il y avait un truc. C'est quoi? Fabrication d'objets. Jusque là, voilà. Trouver des manuels pour faire plus plus. Peau incendiaire, peau à cordon. Donc là, c'est les papillons flamboyants qui permettent de ça. Et champignons trouvables dans les forêts humides. Les fourrés. Pas les forêts, les fourrés. Okay. Et c'est juste lui, il faut une corde si je veux. Ok, d'accord. Lorsque vous êtes près d'un atelier de forgeron, vous pouvez dépenser vos runes et des pierres de forge pour reforger. Quelque part dans notre terre, vous rencontrerez peut-être un forgeron capable d'améliorer davantage votre arsenal. Ok. Pierre de forge. Ok. Utiliser, renforcer. Aller du menu, nanana. Quelque part, rencontrer un forgeron pour que ça aille mieux. Ok. Ça roule. Je peux déjà l'améliorer. Ok, vous n'avez pas tous les composants. LOL. Ah oui, il en faut deux. D'accord, ok. Ça marche. Bon. D'accord. Après, faut que j'aille par là. On va suivre les lueurs pour l'instant. Faut pas faire le kékos. Ouais, en fait, la lueur, elle est en direction de l'arbre. Ça c'est pareil, ils ont gardé le fait que tu puisses courir aussi quand t'es accroupi. Oui, tu peux... Tu peux accélérer ton tu pas. Tu peux t'accroupir et accélérer, ouais. C'est vraiment pas... C'est quand même pratique. Ah bah c'est bien pour attraper des gens dans le dos. Mmh. Moi j'osais pas au début, j'avais peur que ça me brise la... le fait d'être accroupi, quoi. Ouais bah ouais. Puis même la situation, je veux dire. Une caverne. Oh là là, je me demande ce qu'il y a dans cette caverne.
J'ai pas. Ah oui, je bois moi aussi, tant pis, j'ai pas de torche. Mais... Ah, c'est les fameux champignons, ok. Ah, mais j'ai pas de. Ah, j'ai pas ramassé de. Oh là là, je me vois déjà en train de faire des allers-retours. Farmer des. Vous pouvez donc trouver dans chaque zone des effigies des martyrs. Celles-ci se font office de recueil d'invocation. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elles, car elles marquent. Ah, d'accord, c'est à ça que ça sert. Tu m'invoques ? Je gagne. On pourrait juste pour le lol, hein. Je sais pas comment ça marche, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment ça marche. Bah, c'est comme d'hab, c'est. Ah, je peux peut-être pas m'en servir, parce que je suis peut-être en... Oui, je suis en offline. J'ai pas les... Ah oui. Puis c'est risque, oui, non. J'ai pas les indications. Non, c'est bon. Bon, et là, c'est là que tu vas voir la différence entre mon petit couteau... Et... Mon gourdin de main. Et ton épée que t'avais déjà à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai que c'est les animaux qui sentent la violence. Toi, un coup, tu les tues. Moi, il n'y a que le critique qui tue. Enfin, si vous... À toi de bien jouer. Oui, d'accord. J'aurais dû passer comme je suis en train de le faire là, toi. Mais toi, en fait, tu faisais un coup, tu pouvais tuer deux trois loups d'un coup, toi, c'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Alors que moi, en fait... ce que je faisais hier, bon, je faisais n'importe quoi, je sautais dans le tas, etc. C'est-à-dire, c'est... encore une fois, quand je fais le con, je sais que je fais le con. C'est l'alpha. Merde. Pas... Ah, deux fois, j'ai pas roulé. Mais non. Mais non, c'est moi qui. C'est où ? Voir. Voilà, synchro. Voilà, synchro avec les attaques. Mais non. Ah, mais c'est... Pourquoi je suis... Enfin, c'est comme toi. Mais non. Oh, mais je me jette dessus, c'est... J'ai fait d'imp. Ça m'énerve. Tu le regardes. Puis, tu sais, je saute pas quand il faut, toi. C'est horrible. T'en as combien ? Trois. T'as basculé la bleue en soin ? Non, je savais pas qu'on pouvait. Comment tu fais ça ? Normalement, tu peux le faire aussi de grâce. Site de grâce. Ah, au niveau fiole. Répartir les doses. Ah, c'était ça. Oh là là, c'est vrai que j'y suis pas allé. Ok, parfait. Ah, c'est pas con ça. Pour ceux qui utilisent pas la mana. Bah, si tu sers pas des points PC, ça. De la mana, ouais, non, bah oui, non, mais. Ouais, ok. Non, mais c'est bien. Oh, ouais, c'est le dernier conseil de la journée. Maintenant, va crever. Ouais, c'est clair. Bon, maintenant, deviens toi. Ouais, regarde-moi dans les yeux. Normalement, je suis à distance. Là. Ouais, je suis à distance. Je joue à un FPS. Toi, le critique, quand il tombe, le critique, il est côté. Hein. Mais non! Mais. J'ai pas pu taper! Il est resté un millimètre! Au secours! J'ai été faible! J'ai été faible! Je me suis laissé encore avoir! Greedy! Je veux mon pot fissuré!
Non mais tout ça pour que j'en ai trois aussi. T'aurais dû prendre la graine dorée, mais t'es fou. La graine dorée, ah oui. Ah non, la graine dorée, bah les couilles, c'est bon. Ça t'aurait fait une potion supplémentaire. C'est bon. C'est bon, je gère, je suis un grand. Parce que, mais ouais, le pire c'est que ça fait, c'est soi-disant ça crée des trucs, enfin, j'ai pas compris, j'ai pas tout compris. La description. C'est un bébé ? Oui. Ouais, j'ai... Merde. La porte elle est sur le côté quand même. Attends, t'es tout seul toi. Voilà, parfait. Vas-y, j'arrive. Oh, ça l'a raté. Allez, viens. Viens, je t'attends. Mais en même temps, je pense survivre, ce qui est logique. Je fais ça. Un pot fissuré. Ouh. Ok. Il a rien sur lui. Ah, déjà là, j'ai une peau en plus puisque. J'ai réparti maintenant. Ouais. Ah oui, non, mais ça, c'est de là où je viens, ça. Ouais, d'accord. Oui. Ouais, la forme de la grotte, c'est ça. Désolé les gens, c'est sombre pour vous, mais... Toutes les petites lucioles. Et une rune dorée. Voilà. Rune dorée. Faudra absolument que j'achète la torche au prochain coup. Aour. Bonjour. Et je me suis trompé de bouton. Super. Merci l'accueil. Mais non, mais time. Putain. Oh là là, secours. Les esquives arrière, ça sert à rien. Ah, j'avais pas bu. Ah non, j'avais plus rien. Et j'ai vu que j'ai un truc là. Ah oui, non, c'est une... Oh, attends. Ça là, c'est quoi ça? Perdre toutes vos runes et... Ah oui, non. Bon, cette fois-ci, c'est le rush jusqu'au boss, hein. C'est... Merde. La caverne s'est explorée. Je récupère des trucs luisants au passage, là. Enfin, je sais pas quoi, des mousses des cavernes. Thank you.
Oh là là, oh là là. Ça c'est un mur, ça c'est un mur. À fois. Parce que je veux savoir si ça te compte pas. Les gars, c'est rigolo, mais j'ai mal au ventre. Ça, t'es bien, tu dors, hein, tu t'en fous. Hein. Endurance illimitée quand t'explores, c'est quand même. Putain. Oh, mais genre, mais pourquoi ça passe, ça, cette attaque-là? Putain, mais ça, je sais pas, mais... Ça fait partie des premiers, du coup. Oh là là, c'est horrible. En tout cas, c'est un bon exercice. C'est de l'apprentissage du genre. Je veux comprendre mon perso. Je veux comprendre ce qu'il fait, à quel moment. Ça fait pas chier. T'as rien goûté en plus. Non, je peux pas contrer. D'accord, ok. Non, ça non plus. Ah, il perd plus comme j'ai plus de posture. Okay. Ah, putain, mais il est dur à timer ce truc-là, parce qu'il fait le bobo là. Hey, putain, je pensais l'avoir à l'arrière. Mais... Je suis tout derrière, j'ai eu un critique qui est passé. Ouais, ça, juste. Là, ce coup-là, là. Merde. Le fait de tourner en rond, ça s'est passé. Eh, hey, c'est quoi qui me gêne? Il y avait un petit truc au sol, là. Oui, blabla. J'ai fait un saut de trop.
Mais non! Oh là là, j'ai failli crever sur ça. J'ai peur de vaincre. Ah. Merci les gens. Oh! Équipement. On met de la résiste au feu. C'est toujours bon à prendre. Ok, ça ok. Rien, y a pas d'autre loot. Tirons-nous. J'ai bien raté. Et là, je vois rien. S'il te plaît, merci. J'ai un petit icône, c'est quoi? C'est armure en plus? Ça me dit par rapport à... Je sais pas. Ok. Un sanglier. Des os. Tu bouges toi ou quoi? T'as pas l'air. Parfait. Là, hop. Même si ça fait réapparaître, tant pis. Ah. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Je vous propose un marché. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. Ah, donc c'est ce que disait votre tailleur. On peut nous servir de servante. Ok. Turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erdtree. Jusqu'au pied de l'arbre. D'accord, ok.
si on fait refuser. C'est vraiment le truc de bâtard. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ok. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Ah. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Traitez-le avec respect, je crois. T'as conscience qu'il va mourir une paire de fois? Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. Ok. For but a moment, share them with me. Ok. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. La vigueur, ça fait de la résiste au feu. Non. La dex, effectivement, ça augmente la puissance de mon arme. Et l'ésotérisme, c'est de la découverte d'objets. Donc ça fera aussi que je pense à la... à l'augmenter un peu. Donc là, clairement, je prends juste un peu de vie. Ok. Chevaucher pour réussir, initialiser. Voilà, on peut mettre des raccourcis. Ok. Là. Donc. Le téléport. Voulez-vous. Non, non, non. Ça pour changer. Donc, moi, je mets le canasson en haut. Et le fait de se TP de revenir, c'est là. Pierre luminescente. Ouais, mais je peux, à partir de ça, normalement, je peux le construire. Baie à dos de monture, nourrit torrent pour les rendre des PV. Est-ce que ton cheval, ton bouc, il a des points de vie aussi? Ah ouais? J'ai pas vu où c'était. Ben c'est juste que tu verras qu'au combat, si les ennemis te tapent le cheval et pas toi, ben c'est ton cheval qui prend les PV. Si ouais, il n'y en a plus, ben il disparaît. Et il disparaît, et en général, toi aussi tu crèves. Moi c'est ce qui m'arrive. Bah vu que t'es par terre, tu te fais un peu... Ouais c'est ça, tu te fais un peu bolos, hein, on est d'accord. Les flèches... Ah non, ah faut que j'achète les bouquins pour ça. Je sais pas faire de flèches. Je m'en sers, mais je sais pas faire de flèches. Il pleut. On peut pas grimper. J'en connais un qui a dit que ça manque quand même de la... ça manque quand même de grimpette. Ouais, mais c'est pas... c'est pas dans le lore du personnage. Ouais, c'est pas... sinon ça serait... Ah putain, y'a quelque chose. Bon, par contre, il sait toujours pas nager. Ah, l'espadon, c'est là que tu l'avais eu? Ouais, bah oui, mais en même temps... Sûrement, ouais. Et bah c'est celle que j'ai encore d'ailleurs. Hein. Ouais. Parce que les trucs qui m'intéressent que j'ai pris, ils pèsent. J'ai trop de force, il faut 30 en force. Les 30 oui, j'ai en vu, force, les gars, j'ai vu, c'est une grande hache, c'est ça? Ouais. Que t'as loot. Et 30 en force. Ah, je l'ai loupé. J'ai un marteau, il y a ma... Je suis trop deg. Ça m'arrive de les louper par derrière, je sais pas comment je fais. Ouais, parce que j'étais pas exactement où il fallait. Ben, soit pas assez près, soit pas dans l'axe, je sais pas. Oh, mais je t'avais paré, toi. Putain, malin, là non, je l'ai pas fait, ça c'est sûr. Ah! Ah! Voilà. C'est tellement punitif. Ah, j'ai son bouclier! Trop bien! Ouais, tu vas être content. Je peux pas m'en servir, parce que je suis faible.
Ah bon? Ah, il faut 16 de force. Ouais. Mais il part pas surtout. Ah, il fait quoi celui-là? Il doit avoir autre chose. Ouais. Je m'en rappelle plus. Vous avez... Oui, je serais pas efficace, mais c'est pas grave. Juste ce que je veux voir. Pas vif. Ouais, si tu fais une charge. Ouais, c'est ça. Tu fais un... Tu te protèges bien, mais... Enfin, tu te protèges bien. Mais tu fais un petit... Tiens ! Petite esquive. C'est un dash, quoi. Pourquoi je brille comme ça? Je sais pas. C'est ma protecto. C'est mon talisman qui fait ça? Bah, je sais pas. Ouais. Moi non plus, je sais pas. Oui, pourquoi tu brilles? Je brille, monsieur, je brille. Il est là, on l'a vu, il brille. Ah, tu m'étonnes. Je suis vachement discret pour un bandit. Avec ton allonge de merde. Ah bah oui, c'est clair que là... Là, l'arc, ça te serait utile. Là, moi, je peux m'en servir, mais l'arc, c'est pas... Ah, là. Ah merde, je suis trompé de bouton. Faut que je dise que j'utilise l'arc, là, je fais ça. Mais, après... Ah, il m'a tué. D'accord, ok. Pardon. Excusez-moi, hein. C'est vrai que je suis fragile. Putain, j'avais 1400, j'avais déjà autant. Oh, l'effigie, elle est juste derrière, mais... Je peux revenir sur ce côté-là. Et lourd. Ah bah, c'est clair que t'es pas à traverser toute une zone pour aller au boss. Ouais, non, bah ça, c'est... là-dessus... C'est cool. Aïe, mais non, attends. Oh putain, faut que je refasse ça dans l'ordre. Oh. Sinon, je vais me faire détecter. Laisse tomber le bordel. Bon, eux, ils sont assez gentils. Hein. Et les gens, faut pas s'habituer à ce que les personnages soient si gentils hein, dans le jeu. Que je suis derrière, ils m'entendent pas. On sait que les animaux peuvent ressentir les. Peuvent sentir, donc on détecte à l'odeur. Et c'est qui serait, je devrais faire une attaque chargée, ça me garantirait une attaque. Et c'est clair que là, la longe, elle est de... En fait, c'est une bonne zone de farm ici, ça donne pas mal de... Au début, ouais. Pour un début, ça donne pas mal de runes, je trouve. Et lui, il a vu qu'il se passait quelque chose là-bas, il l'a vu, il l'a senti. Pas trop con encore au niveau des réactions. Hein? Ouais, quoi? Qui a sonné cette putain de trompette? Qui m'a vu? Au secours, regardez-moi tout ce qu'il y a là. C'est lui qui a la trompette. Bon, maintenant qu'il me cherche à l'autre bout du terrain... Peut-être un qui était en hauteur, ou peut-être celui qui était là. Oh, j'en sais rien. Je sais pas du tout où il était. Carte de Dacrolimbe occidentale. Parfait. Carte trouvée. Bon, ils vont revenir à leur place. On va en profiter.
pour fouiller un peu. Un mec à cheval. Ah, toi là, papillon. Là. x3, cool. Alors, ne... les gens, faut pas oublier que si je crafte là en plein milieu de nulle part, c'est pas bon. Parce que le jeu il se met pas en pause. Putain, chouette leur truc. Oui, il y en a un dedans. Prendre un objet. Un fléau. Tu vois ? Tu me disais, ouais, il a su choper des armes. Bah oui, je fouillais les coffres. Bah oui, non mais oui, non mais. Pareil, je suis faible. Par contre, il y a beaucoup de texte dessus, donc ça se trouve, si je veux, je pourrais m'en servir plus tard. Ok, alors attends. Est-ce que tu me files ta torche gratos ? Bonjour ! Allez, viens. Merde, deux fois, toi, j'ai fait deux fois comme toi. Maintenant. Je peux passer en dessous? Non, je peux pas. Attends, ça passe, hein. Oui. Je peux ramper, merde. Ah moi il y aurait une option ramper, je le ferais. Et là le mec a je veux être dans la boue. C'est clair. Ah il y a un gars là, il y a un chien. Ok. C'est trop loin. On va tester la distance. Ah si, ça passe. Allez, viens là, au lieu d'alerter les gens. Là. Oh merde. Non, c'est ça qu'il faut faire d'abord. Ouais, j'ai pas le temps. Bon, je les entasse au même endroit. Tu vas me sentir là ou pas? Il y en a deux, il n'y en a pas qu'un. Bon, je te laisse. Ouais. Vraiment plus tard. Ça marche. Eh viens le chien. Qu'est-ce qu'il me reste après, je sais pas. Ouais. Allez. A plus.
ça gardait quelque chose. À l'aide d'un couteau aiguisé, vous pouvez utiliser les cendres de guerre pour octroyer de nouvelles compétences à vos armes. D'accord, auprès d'un site de grâce. Une arme peut posséder qu'une seule compétence. Toutes les compétences dont disposaient auparavant les armes seront retirées. Le type d'une arme détermine les compétences qu'elle peut avoir. Certaines armes spéciales possèdent des compétences fixes. On ne peut leur en attribuer d'autres. D'accord. D'un couteau aiguisé, vous pouvez utiliser des cendres pour octroyer des ennemis. De cette manière, vous pouvez modifier l'affinité offensive, les bonus d'attributs et d'autres caractéristiques d'une arme. Le type de l'arme détermine les affinités dont elle peut bénéficier. On ne peut attribuer de nouvelles affinités à certaines armes spécifiques, comme celles possédant des compétences fixes. D'accord. Cendres de guerre, piétinement orageux. D'accord. Couteau à aiguiser. D'accord. Donc le couteau à aiguiser permet de faire ceci. Ok. Il oh, y a un autre. Un gars trop petit là. Sur oh je déteste quand je fais ça. Allez. Je fais une roulade de trop. Mais non, mais pas de roulade arrière avec des lanciers, putain! Ah là 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 là. Ah, j'ai une crevette sur les doigts. Hein. Chercher nos âmes. De l'herbe. Backstab, faut vraiment être derrière. Pierre de forge. Ouh, ça c'est cool ça. Il sert à quel bout. Ok. Lui, je voudrais bien essayer de le tuer une fois, quoi. Ah, c'est ça que je voulais faire. Fabrication. Et ça, combien je peux en faire? Je
peux en faire deux. Ok. Équipement. Ah, ça. Donc là, flèche du bas, ok. Et carré pour les jeter. On va voir un peu les dégâts que ça fait. Est-ce que j'ai dit pas d'esquive arrière quand on est sur un lancier? C'est la base. Putain, mais j'avais pas vu. Ah, ils ont une variété d'attaques en fait. City à côté. On n'est plus sur de la monocapacité, quoi. Ça, c'est fini, ça. Mis dans la merde. Ajoute-moi un truc, toi, ça serait bien. On empêche le chef, il a une vision plus grande que les autres. Hein. Regardez. Bon, on privilégie les esquives de côté. Les 5 des attaques. Putain, mais ouais, d'accord. Par contre, ces petits coups, ça se trouve, je peux les parader. Les petits chac-chac-chac. Ce qui est chiant, c'est toujours un peu long, sinon. Parce qu'il faut attendre que les soldats reviennent, tout ça. On a l'air d'avoir une bonne portée, n'empêche le Clark. Hein.
pierre de forge aussi. Cool. Allez, viens. Putain, pourquoi des fois je fais un deuxième ça. Ah, le backstab, il y a pas hein. Un peu tôt la roulade. Ouais, c'est ça. Ah putain, le fait qu'il ait le troisième coup. Enfin, con. C'est ce qui fait qu'il me. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, plus de vie. Bon, allez. On va rechercher nos âmes. Quelle heure il est? Ouais, midi. Et puis, on va aller chercher ça. On va monter nos niveaux. C'est le début, hein, tranquille. On apprend le jeu. Allez, il est où l'autre ? Ah, merde. Est-ce qu'il va se retourner ? Pas fait au bon moment. Bien. Ouf, il a failli me brûler le bâtard. Ah putain, parade au mauvais moment. Ça va, c'est ça. Je serais mort contre lui, comment j'aurais été deg. Ok. Allez, on va valider ça. Teste voir un peu ce que dit là. Toujours des petites runes en plus à avoir. Hop. Là, je vais mettre de la dex, tout simplement. Parce que niveau vie, de toute façon, on est fragile. Montez de niveau. Toc. Voilà, regardez comment ça fait tout grimper. Immunité, robustesse, focalisation, vitalité. Combien? Ah putain, j'ai déjà pas assez. Rune possédée. Rune nécessaire. Ah si, c'est bon. Ouais, c'est ça, je peux monter 3 niveaux. Vas-y. C'est 800 les prochains. Ok.
Est-ce que j'ai le temps de fabriquer 2-3 trucs? Ah, je sais toujours pas faire des... comment, des flèches. Tu m'as vu? Est-ce que tu m'as vu là? Tu me vois là? Ouais, il me voit. Allez, viens. C'est pour toi que je suis là. On va essayer de faire un backstab. Là, merde. Trop tard. Ah, il y a peut-être moyen. Ouais, bizarre dans les... roulades. Ah! On apprend. Est-ce que je peux parier? Non. Ça coûte très cher, putain. Attention! Ah, pas assez sur l'arrière. Je suis deg. Ouf, bien sûr, il m'a accueilli. Il m'a tenté. En même temps, il a une armure, lui. Bon, pas passer côté... Ah, il faut pas passer côté... comment... Ah, j'ai voulu balancer au moins. Bah, vas-y, balance là. Qu'est-ce qu'il faut là? Ok. Là! 169. Ah, l'armure de Google qu'il a. Bon, faut que j'aille côté bouclier en tout cas, pas côté lance quand j'esquive. Ah ouais, j'ai tapé en même temps que lui. Faut que je rejoue un peu, voilà, quelques timings à voir, mais bon, à part ça... Ça roule. Bon, je vais vous laisser, je vais manger, je vous rejoins sur Elden Ring, bon, cet après-midi, hein, sur les coups de 2 heures, un truc comme ça. Ça pourrait être pas mal. Hein, ça pourrait être pas mal. Ça, le fait que ça se recharge. Ça donne envie de rejouer. Ouais, instant. J'ai envie de récupérer mes âmes. Oh là là, c'est horrible. J'ai envie de leur tenter encore une fois. C'est horrible. Est-ce qu'ils m'entendent? Ouais, ils m'ont entendu. Mes âmes. Là-haut. Ah oui, j'étais si loin. Vas-y, je retente. Hé, hey, mec, je suis là. Allez, on se met un petit 90 dans la gueule. Allez, vas-y. Ouais, double coup, c'est pas bon. Voilà, bien dans l'arrière. Faut vraiment lui chercher le dos, quoi. Le petit coup pour avoir des dégâts en plus.
Ouh, allez, ça fait... Ouais, objection là. Eh, sors du rocher. Ça m'a foutu dans la merde. Voilà, tac. Le petit dégât supplémentaire. Sors du rocher, sors du rocher. Viens, viens, viens. Viens, voilà. Faut que j'arrête d'attaquer, t'as dit, il faut attaquer. Hein. Voilà. Voilà. Voilà, 2, 3. Ah, ma portée de mouche. Voilà. On l'a eu! Voilà. Bon, c'est un perso lambda, mais bon, on s'en fout, c'est... Ok. Ça, c'est fait. On valide. Comme ça, le petit niveau en plus. L'endu, pour l'instant, j'ai pas besoin de forcer plus. Qu'est-ce que je fais? Je mets ça dans la vie. Ou je mets ça dans l'ésotérisme pour trouver plus d'objets. La vie est importante. C'est pas grand chose, mais bon. Ah, c'est un point, quoi. Je sais pas ce que ça vaut. Ah, j'aurais peut-être dû monter la force pour le... Ah, ouais. Ouais, parce que je suis 18 de dex quand même, la force... Et après, bon, je pense que je vais rester jeu d'ag, hein, on verra. On verra ce que ça donne, s'il faut qu'à un moment donné j'ai autre chose. Est-ce que j'aurais de quoi m'en servir? Allez, du menu statut, vous pouvez consulter votre niveau, vos attributs, vos caractéristiques. Les infos qui y sont indiquées reflètent également les modifications d'attaque, défense, résistance. Des armes armures. Ok. Comment on met quelque chose là-haut? C'est là, hein? C'est où ça, ce truc-là? En le mettant ici, je pensais que c'était ça, mais là, apparemment non. Ce sera autre chose plus tard. Ok, bon, on va aller chercher... nouvelle carte trouvée. Ok. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus détaillé que... Qu'est-ce que ça l'était. Ah, ok. T'as carrément tout ça qui est là. Tout ça qui est là, qui dit que ça va là. Ok. On a notre feu, notre caverne, notre grotte. Là, on a un point d'observation. Ok. On peut mettre des repères si on veut. Là, il y a une grotte. Là, il y a des ruines, avec des espèces d'œufs, là, je sais pas quoi. On va aller là. This way, Tarnish. Allez, viens. May I have a word? Oh, m'accordez-vous un instant? Oh, c'est joli, avec la lune en arrière-plan, là.
Elle est grosse, la lune. A pleasure to meet thee, Tarnished. Quel plaisir de vous rencontrer. Je suis Rena la sorcière. Si vous vous souvenez, on l'a vu dans la cinématique du début. J'ai eu un vent de sans éclat sillonnant. Et après m'être renseigné sur la question, je présume que vous êtes l'objet de ces rumeurs. Thou art possessed of the power, Lo, to call forth the spectral steed named Tod. Oui. Ce n'est pas moi. Hein, je n'ai pas confiance. Ne badinez pas avec moi sans éclat. À moins que vous l'ayez simplement oublié. Merde. Je vous pose à nouveau la question. Possédez le pouvoir, n'est-ce pas? Je viens d'invoquer le Dietrich Spectrein nommé Torrent. Bon, en effet. Ah, je l'espérais. Voyez-vous, j'ai une chose à vous remettre. De la part... Clochement d'esprit. Ok. Et cendre de loup solitaire. Okay. C'est une cloche permettant de faire appel aux esprits. De ceux qui ont préféré être incinérés plutôt que de rallier l'arbre. Ce qui vous appartient désormais, faites-en bon usage. D'accord. La cloche banc d'esprit vous permet d'utiliser des cendres pour invoquer toute une variété d'esprits. En général, l'invocation d'esprits consomme des PC. Vous ne pouvez invoquer qu'un seul type d'esprit à la fois. Il n'est possible d'invoquer des esprits en multijoueur. D'accord. Ok. Alors, attends, ça s'équipe, je pense. Non, pas là. Là. Yes, Blalilou. Par contre, j'ai pas l'autre. J'ai pas l'autre. L'autre, c'est quoi? C'est un sort? Non, pas là. Pas là. Pas là. Pas là. Les loups, c'est déjà mis. Ok. Ah, les bombes, je pourrais les mettre en... Je pourrais les mettre en raccourci ici ou pas? Ah, le fait que j'en ai pas, c'est peut-être ça. Rundoué. Bref. Forgive mine intr- Merde. Pardonnez. Elle est partie? Ah merde, elle est bah, du fait, elle est partie. Ok. Faut prévenir les gens quand vous les causez. Wait. Weren't you... Vous n'étiez pas. Bref, vous revoilà. Vous voulez acheter quelque chose? Je veux vendre. Fragment de ruine. Hop. Les pierres luisantes, ça on verra après. Ça, oui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, le merdier pour l'instant, on va le garder. Ça. Utilisable sur toutes les armes de corps à corps. Ouais, mais bon. Ça, je m'en servirai pas. Est-ce que ça, je m'en servirai? Non. Arc, ça c'est bon, on vend pas. Bouclier, je peux le vendre. Ça c'est de la force. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, code de maille, non c'est pas notre délire. Gantelet en maille, non. Jambe en maille, non. Fiole de salut miraculeux. Relais en ruine. Note contenant des informations concises. Notre confirmation des informations concises, d'accord. Étoffe, le répertoire d'artisanat, manuel de missionnaire, de guerrier nomade. Ok. C'est 1000. Bon, on achète le plus cher. De missionnaire, ok. Des dagues à lancer. À lancer sur les ennemis pour infliger des dégâts. Je déconne. Discuter. D'autres de mes congénères survivent comme ils peuvent dans ces terres. Si vous les croisez et que l'envie vous prend, achetez-leur donc une babiole. Dans mon peuple, nous sommes tous vagabonds. Nous avons été éconduits par la grâce d'Europe. C'est pour cette raison que nous ne resterons jamais dans un endroit condamné à cette lamentable dérèglement perpétuelle. Enfin, grâce à cela, les choses n'ont pas tellement changé pour nous malgré la fracture du cercle des lignes. Actuellement, nous ne sommes pas si différents. Au propre, les lumières, j'entends. Ok. Au
Au revoir. Nice. On fait affaire. Ok. On va renforcer notre arme aussi. Oui. Est-ce que je peux faire ça? Non. Ok. Inventaire. Non. Inventaire. Est-ce qu'on apprend automatiquement ce que... Ah non, c'est là. Ah, cloche. Elle est là, la cloche. De cendre. Mais comme j'ai pas de cendre, permet d'ajouter de nouveaux. Ok. Application. Qu'est-ce que j'ai appris en plus? De l'eau bénite. Consomme des PC à lancer sur les ennemis pour infliger des dégâts sacrés. Ah! C'est ça que j'ai appris. D'accord, super. Super, super, ça me sert à rien. Bravo. J'ai pas fait gaffe s'il y avait des flèches avant. What is it? Et je brille parce que c'est la nuit en fait. C'est 500. Ah si, il a des flèches avant. Ah, il y a des carreaux. Ah, il y avait la torche que je voulais prendre. Je suis con, moi, putain. On repassera à l'occasion. Ouais, je peux acheter 4 flèches. Je suis heureux. Et ça a l'air de pas être les mêmes que ce que j'ai en plus. Super. Trop bien. Je fasse le plein. On verra. Vas-y. Ça, c'est les herbes qu'on passe tout le temps. Ça, c'est de la chair. Vas-y, 150. Ça, non, parce que ça, je m'en sers. Des lucioles, vie près des nains, matériaux servant à fabriquer des objets. Ouais, ça, c'était un peu chiant de trouver. La masse de chair, on s'en fout. Pierre de forge, non, ça, on ne vend pas. Ça, je suis prêt à le vendre. On verra. Flèche. 4. Ok. Goodbye. Nice to do business. Ouais, c'est ça. J'ai deux types de flèches maintenant. Donc la grosse gâchette et la petite gâchette. Ok. Bon, bah, on va se garder là. Hein, là. Faire passer de temps, monter de niveau, ce qu'il faut. Cendre de guerre. Depuis le menu cendre de guerre, vous pouvez utiliser des cendres de guerre parmi d'autres guides. Une arme peut posséder qu'une seule compétence. Une compétence disparaît, ouais, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Donc l'arc, barrage. Et celui-là, donc effectivement, piétinement rageux. Ah, ça prend des PC pour s'en servir. Physique. Ouais, mais... Ah putain, ça fait... Oh, la puissance d'attaque, elle chute de ouf. Ouais, mais non. Ouais, non, 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 non. Je le revendrai. Je le revendrai. Parlez à Mélina. Oh. Ah, excellent. This tiny golden aura cette légère aura brillée est due à la grâce de l'aurore. Cette lueur brillait autrefois dans les yeux de vos semblables. Mais à présent, c'est elle qui vous guide. Du moins, c'est ce qu'on rappelle. Vous la voyez, n'est-ce pas? La lueur de la grâce qui vous guide à travers votre ordalie. Oui, on la voit.
autre chose. Sur la falaise, dans le château de Vol'Orage, se trouve un porteur de fragments. Un demi-dieu ayant hérité d'un morceau du cercle d'Éden après l'éclatement. Si la lueur de la grâce pointe vers le château, c'est que le cercle d'Eden vous appelle. En tant qu'allié lié à un parapac, j'espère que vous serez à la hauteur de surmonter le défi que vous impose le cercle. Ok, bon, elle, c'est la... quand on est perdu, on l'invoque, elle nous redonne des astuces. Cool! Ça marche! Bon, il est temps d'arrêter! C'est où? C'est dans config? Ouais, c'est ça. Et quitter la partie. Oui. Bon, bah, c'est bien cool! Bon, bah, on se dit... Bon, je sais pas, soit c'est... Vu que ça me bouffe beaucoup de connexions, etc. Vu que tout le monde stream dessus, ça sert à rien que je pense que je continue à streamer. J'y jouerai en tout cas cette journée, comme ça, ça me permettra d'y profiter aussi sur mon grand écran. Sinon, il y a peut-être Grumpy Dim également qui va streamer le jeu, donc à bientôt! Ciao tout le monde! Et... Fin. We'll be right back.